Nouvelle session de record, nouveau café terminé. Je suis un peu triste. Eh bien, bonjour. Comme s'affiche la petite banderole en bas de votre écran, je virerai une oreillette immédiatement. Nous sommes sur le Let's Play, épisode je ne sais combien de Tales of Berseria. En plus, c'est bête, j'ai monté les épisodes. Je finis de les monter juste avant, donc je devrais savoir à quel épisode nous en sommes. Eh bien, c'est faux, je ne sais toujours pas. On se retrouve dans la prison. Là où nous nous étions laissés la dernière vidéo, je pense que ouais, effectivement il y aura une vidéo par jour pour le moment, ça se passe. Donc là jusqu'à présent c'était relativement linéaire, et donc j'ai constaté la dernière fois que j'ai arrêté, il y avait une interaction avec la touche T. Donc ça c'est la gamine habillée en rose. Un personnage qui je sens va un peu me gaver. Je sens. Après, je peux me tromper, peut-être que ça va être un personnage que je vais grandement apprécier. Je vais bêcher la sensibilité de la souris, c'est n'importe quoi. Bon, lieu de baston. Coucou. Oh mon dieu. Ils sont tous morts. Arateka. Kono mono wa Goma. Mais non, mais moi j'ai vu l'animé. Non, va te faire faute. Va niquer. Va... Attends, comment on fait déjà? Oui, j'ai pas joué depuis. Hein. Normalement, ça marche pas? Ah si, ça marche. Mais c'est censé fonctionner. Mais je sais que ça marche avec un délai en fait. C'est bizarre. Comment je tape déjà? Ah oui, d'accord. Non, mais ok, c'est bon. T'inquiète pas. Je défonce. Bon attends, ça me saoule. Bon, j'ai réussi une esquive, on a récupéré un machin. Je vais me faire défendre, j'ai l'impression. Ah non, parce que l'autre nous soigne, ok. C'est pour les gens faibles comme moi en fait. Le jeu est cool. Non mais... Je sais jamais. Je pense que les ennemis ont un timing. Mais je suis relativement nul. Donc là j'ai plus de machin, donc on va attendre que ça se recharge. J'attends que ça se recharge entièrement pour voir. Ah dommage. Ah, on a toujours notre épée, j'avais pas capté. ゴーラン、あの立ちのとこ。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 ゴーラ
Je suis toujours très mitigé quand je vois ce genre de scène, parce que d'un côté je me dis, mais c'est pas logique, c'est complètement con, et d'un autre, c'est pour ça qu'on aime les mangas, c'est parce que justement il y a des trucs complètement absurdes comme ça. Mais par contre j'ai l'impression que la sorcière habillée en rose, je pense elle va me saouler, je sais pas pourquoi. Autant lui ça a l'air rigolo pour le moment. Active la charge offensive après être resté en garde pendant un temps donné. Parce qu'on a un bonus ? Ah non, c'est nouveau ! Ah ça peut être intéressant. Certains objets confèrent des compétences de charge à la garde. Ventite du tireur d'élite. Charge offensive. Restez en garde une seconde pour doubler vos chances d'infliger un étourdissement ou d'autres altérations des temps en attaquant immédiatement après. Intéressant.
très intéressant. Là, pour le coup, ça peut être très très intéressant. Intéressant. Oh, on peut parler. Petite scénette. Masaka, ano Goma wa... Nani? Ie, ano Kenshi no Goma ni skoshi odoroita dake desu. Mono sugoi sakki datta no ni, tachi no hanashi ga deta totan, betsujin no you ni natta mono desu kara. Majime ni kangaete mo shikata nai de shou. Goma no koto nanka. それにしても風変わりな囚人ばかりですね。あなたのことでは別にいいわ。精霊なんかにどう思われようとね。Ce qui est con avec Cérèse, c'est qu'en tant que mec, je peux pas la regarder dans les yeux, parce qu'elle a les yeux bandés. Ouais, ouais. C'est bête, hein. Donc, bon, continue. Oh, attends. Pourquoi il y a un chemin indiqué là-bas? Il y a une porte. Où est notre objectif? Je sais pas. C'est-à-dire que là, dans l'immédiat, je sais pas trop où est notre objectif. Ah! Oh, cette fameuse tour. Ok, on va pas passer par là. Ça semble être le bordel, et à mon avis, on va y venir plus tard. C'est sympa, hein, franchement. Le jeu est pas très beau, je sais, c'est pas les jeux AAA qui se veulent être une figure... Une vitrine technologique, figure, qu'est-ce que je dis ? Une vitrine technologique. Mais malgré ça, moi, les jeux japonais, je m'attends toujours à des jeux très moches, des jeux dégueulasses. Et ce n'est point le cas. On va y aller serein. On va y aller tellement serein. Tellement on va le snobber. Non, on va lui casser la gueule. C'est un démon, du coup ? Oh mon dieu, enfin, cochère ! Non, attendez, on va le castagne, je voulais juste récupérer les trucs avant. Alors, on les défonce. Ah oui, il faudrait que je modifie les arts, du coup, c'est ça? Oh! Ah non. Non, les deux. Non, j'ai voulu skill. Pas cool. Je sais pas si c'est actif ou quoi. Le truc qui nous disent rester une seconde en garde puis attaquer là. Bon alors le def, de toute façon ils sont tout pourris. Ah oui, elle fait partie de mon équipe ou quoi? Ta priorité c'est de sortir d'ici. Exactement. Tu es d'accord. Toute mon attention. Le nombre d'attaques et de pas rapides utilisables en combo dépend du nombre d'âmes en votre possession. Une attaque intégrée à un combo rend son lanceur moins vulnérable. De plus, les arts reçoivent un bonus en fonction du nombre de types d'arts différents utilisés. Lors du même combo, par exemple, un art caché lancé après deux cartes martiaux verra son coût en JA réduit de 20%. C'est un bon moyen de diminuer le coût des arts cachés. Un art caché lancé après deux arts martiaux verra son coût de JR réduit de 20%. Je pense qu'il y aura des épisodes où on va passer notre vie dans les options, où on va essayer de régler un petit peu nos combos. Alors, on va pas faire ça maintenant. Mais on va... Alors ça, j'avais fait ça, les arts cachés en premier, puis des trucs de... Les arts martiaux. En haut, donc c'est le combo classique. À gauche, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Bah justement, on commence avec la corne déchirante, la vrille perçante, la contestation... C'est quoi la contestation? Étourdissement. Et on finit avec le fil brûlant. Est-ce que ça serait pas un combo intéressant? Du coup, j'ai mis ça en gauche. Penaille avec une lame de botte, la direction du coup, JA 6. Coup circulaire qui entaille la cible, JA 8. Combo de 3 coups de pied en forme de Z, JA 11. Donc, contestation, ça fait pas mal de JA. Si je mets lune ascendante, potentiellement faire de la paralysie, et puis ça coûte moins cher. Peut-être mettre ça. Gauche, ça va être l'art machin en dernier. Et relativement économique.
Le bas, ça va être la puissance en premier. Après un combo dit classique. Est-ce qu'on mettrait pas... Non, il n'y a rien de bien puissant. Droite, on s'en fout pour le moment. Voilà. Ok, donc gauche. On va tester le gauche. On va tester le gauche maintenant. Bon équipement, on s'en fout. Voilà, on va rester ça comme ça. Je voulais regarder un truc. Non, on peut pas. C'est quoi ça? Un graphique, on s'en fout. Bibliothèque, résumé. Est-ce que nous avons eu quelque chose? Tout a commencé il y a 7 ans. Ça, c'est bon. La ficette ou la fille a toujours rêvé d'être un jour aussi fort qu'Arthur, de partir à l'aventure et d'explorer le monde, mais la terrible maladie qui la ronge rend tout cela impossible. Ça, on l'a déjà vu. D'ailleurs, pourquoi le truc nouveau ne s'enlève pas? C'est un peu chiant. Hurler à la lune sanglante, ça, on l'a lu aussi, près du sanctuaire au Cap Velvet, tout ça. Une flamme ténébreuse grandit, ça, je crois aussi qu'on l'a lu. Une flamme ténébreuse grandit, 3 ans ont passé depuis l'avènement, et au plus profond d'une prison secrète accroupie une bête, voilà, on l'a déjà lu. Donc là, techniquement, elle a 19 ans, celle-ci, puisqu'elle avait 16 ans durant les événements, et 3 ans se sont écoulés, elle est restée 3 ans en prison, donc elle a actuellement 19 ans. On vient d'où? On vient de là-bas. Ça. Est-ce que c'est un cul-de-sac? Ok. Kimen, ok. Oh mon dieu, nous sommes coincés, qu'allons-nous faire? Ouais, ok, allons-y. On est trop fort. Nous allons réussir. Ok, alors la tour, qu'est-ce qu'il y a? Un boss? Peut-être, on ne sait pas. J'ai pas désactivé la micro? Non, c'est bon. Lol. Genre mi-tour. Oh, oh. Ah oui, merde, j'ai pas encore le... Non, attendez, non, mais c'est pas cool. Attendez, déjà, je fais... Ok. Pas mal, c'est pas mal. Comment va-t-il? Elle nous met des boosts, donc la... Comment ça s'appelle? Manak? C'est compliqué, j'arrive pas à gérer convenablement. Attendez, je vais courir. Comme cool. Mais putain! Non, elle esquive aussi sa console. On va faire du classique. Voilà. Oh, il m'a saoulé avec sa garde. Ouais, l'autre elle nous soigne parce que sinon on serait mort depuis longtemps. Donc, bah, je me protège, hein, tant pis parce que. Alors, on peut bruiner, on a de la charge. Voilà. Bon, c'est des combats qu'on peut pas vraiment perdre techniquement parce que l'autre, comme elle nous soigne. Je pense que plus tard on aura des bouts, genre faites une esquive en avant et puis attaquer. Mais là pour le moment c'est le début, hein. Donc on a rien de très intéressant. Donc bon. Titre obtenu, botte ensanglantée. Alors à quoi servent les titres? On ne sait pas. D'accord. Pièce en cuivre abîmée, waouh. Ah non, je voulais lire à quoi servaient ces trucs. Par... comme ça. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Un titre. La stratégie, on s'en fiche un peu. Vêtements. Non. Un titre, coiffure tenue. Un titre. Pièce de cuivre, c'est ça quoi? Une pièce en cuivre à laquelle il manque un fragment. Vaut à peine le métal, c'est... Qui la compose? Ce sera peut-être utile pour fabriquer des trucs plus tard, on ne sait pas. Mode de combat, non, ça on avait déjà vu. Style de Velvet. Fiole de résurrection. Ouais, non, mais c'est bien, je m'en fous. Oh, non, mais c'est le tuto. Hein, c'est... Enfin, c'est le tuto, entre guillemets, c'est le début, donc ça ne sert à rien de...
de chercher. Très vide les décors, mais ça rend bien. Surtout qu'on est dans une prison, donc ça rend très bien. Gald obtenu, donc apparemment c'est la monnaie, ça on l'a compris, pièce en argent. Ouais, je pense que c'est pour créer ou réparer, je ne sais pas s'il y a de la durabilité sur nos objets, je pense que c'est pour créer. Créer des nouveaux objets, oui. C'est pété. Non, c'est techniquement l'autre bras. Ah, parce qu'elle s'était luxée au gars. Enfin, luxée, déboîtée. Il parle de serme. Oh putain, l'eau est dégueulasse. Est-ce qu'il y aurait pas un délire avec est-ce que les Malak prêtent une sorte de serment? C'est possible. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es censé être le Dawa en haut? Bon, ça tombe bien. Mais on vous dev. Ne voyez-vous pas comment on vous dev? Je pensais d'avoir esquivé. Putain, l'autre, elle fait tellement de dégâts. Moi, je suis ridicule avec mes 34, l'autre, elle fait... Je sais pas combien regarder. Non, là, elle nous soigne. Bon, allez, on voit le dev. Parce que... Non, ça a duré 1000 ans. Oui, on a compris. Non, ah non, je sais pas quoi. Merde. Expertise. Ces compétences sont toujours liées à une pièce d'équipement. Ces derniers ont tout un niveau de perfectionnement qui augmente en fonction des points obtenus au combat. Une fois le niveau le maximum atteint, le personnage obtient définitivement l'expertise de cette pièce. Vous pouvez aussi renforcer votre personnage en les équipant de différents objets. Les objets et expertise d'un objet sont doublés si le personnage le maîtrise déjà. D'accord, donc en fait, même les objets que l'on porte ont une barre d'expérience en gros. Et une fois pleine, ça donne plus de bonus. Plus, un petit peu plus. Vas-y, sauvegarde. Sauvegarde rapide, nouvelle sauvegarde. C'est vrai qu'en fait, j'avais jamais sauvegardé. Parce qu'en fait, moi je pensais que quand j'y passais dessus, ça sauvegardait automatiquement. J'étais en mode « Oh, mais c'est cool !» Mais en fait, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Reçu. Pièce en cuivre abîmée. Oui, je suis très content. Ah, ça c'est les plantes. Ça c'est bien, ça. Une herbe qui augmente la défense de 2 points. Les dégâts physiques reçus sont réduits. Restaure également tous les points de vie. Donc ça c'est bien. Ça utilise en combat. Parce que les plantes, les boosts de caractéristiques, c'est définitif, comme ils nous l'ont dit. Non. Ah. Mais du coup, autant rentabiliser la chose en l'utilisant en combat, pour nous soigner intégralement, en plus de nous conférer des bonus. Et oui. C'est important. C'est important. Puis surtout que pour le moment, on n'a qu'un seul personnage, donc c'est pas... Coucou. Oh, les Malak. Il y a un connard. Oscar. Alto-Rius-sama の命なのか いいえ
私の意志です。精霊が意志とはね。どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一等大魔士は二等とは格が違います。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。クナーナはミッドガンド聖堂王国聖領一等大魔士オスカードラゴニア。そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。Moi, je te plie, Redneck. Il nous fait des rayons, l'autre, ou quoi, là ? Putain, il m'a fait mal. Ah, merde. Non, mais stop, ça y est, je suis mort. Ok, on va viser les autres. Ok. Donc, effectivement, je vais viser eux en priorité. Ah, mais putain, ils ont... Mais j'ai de la merde là, je fais 2 de dégâts, c'est ultra relou. Je fais 2 de dégâts. Ah, on va esquiver son attaque à la con. Et on dernier. Donc focus les ads, hein, la base. On va faire des armes à feu. Oh, les armes à feu, c'est bien utile. Ouais, faut que je regarde qu'est-ce qui est efficace sur eux. Ça, je sais, mais bon. Ah, les armes à feu, oui, ça leur pas mal. Bon, là, je suis bien chargé, donc je devrais pouvoir le défoncer. Bon, on va le défoncer comme ça. Ok, les armes à feu est très puissant sur lui. Donc, lui, on sait pas. Bon, lui, il est en garde, il me saoule. Ah non, mais j'ai fait des esquives sur le côté au lieu de faire en arrière. La caméra est pas logique. Je peux pas utiliser la souris en même temps que j'utilise les flèches et ZQSD. Hein. Non, c'est pas possible. Peut-être que je règle dans les options. Pourquoi t'as esquivé, je sais pas. Le réglage de la caméra automatique. Ok, là ça l'a paralysé. Donc c'est ça, c'est qu'il y a un taux de réussite, mais je sais pas trop comment les gérer. Attendez. Est-ce qu'on peut utiliser... Est-ce que là, ça serait pas le moment d'utiliser un objet? Ah bah non, pas fiole de réseau. Les plantes, là, on peut pas utiliser les plantes? 30% des poisons d'analyse. Non, mais je veux pas ça, moi. Mais pourquoi? C'est quelqu'un. Bon. Zoom caméra, hauteur de la caméra. Ah bon. Je ne savais pas. Contrôle. Tout donner. Priorité à la défense. Quoi, tout donner? Je ne sais pas pourquoi. Arts martiaux, la gueule. Non, mais je voulais pas ça. Je te jure, je voulais pas ça, quoi. Ok, on attend qu'il fasse son tourbillon. On le castagne. Là, on défensif. Là, il est en garde, c'est de la merde. J'ai pas pu. Il a pas de problème. Non, mais c'est pas vrai, mais j'y arrive pas. Non, il est en garde, protège-toi. Voilà. Ok, on attaque. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma manette, elle s'est cassée la gueule, à force de vibrer. Mais on vient d'en buter deux. Ouais, désolé. Mais non. それがあんたたちの断りよね。Un malak qui succombe aux démons. C'est pas possible.
Enfin, c'est pas possible, non, si, j'en sais rien, parce que je découvre l'univers, donc... Un malak touché par le fléau démoniaque. C'est original. C'est problématique. Ouais, non, mais c'est déjà chiant de se castagne avec lui, alors si on se castagne avec un dragon... Ouh, Pékin. Tellement pété ce perso. Comme son décolleté, pardon. Oh, on aperçoit ses yeux. Hein? Oh, on va la pecter. C'est pour ça qu'elle est pétée. Grâce à l'anneau du sorcier que vous avez obtenu en dévorant Céleste, vous pouvez désormais utiliser les brise-armes. Qu'est-ce que les brise-armes ? Appuie sur R pour réaliser un brise-âme, hein? Une fois que vous avez débloqué ces puissants arts d'un personnage, vous pouvez les lancer en maintenant R lorsque vous disposez d'au moins 3 âmes. Mais ce pouvoir a un prix. Le personnage perd une âme, et sa cible en gagne une. La limite de combo ne s'applique pas à ses attaques. Vous pouvez néanmoins réaliser des combos pour créer des chaînes qui dépassent le nombre d'âmes dont vous disposez. La limite de combo ne s'applique pas à ces attaques. Réaliser des combos pour créer des chaînes qui dépassent le nombre d'âmes que vous disposez. J'ai rien compris. Ouais. Plus tard.
Les arts martiaux sur ça, c'est pas hyper efficace, je crois. Voilà, fallait faire ça en premier. Ok, non, en fait, c'est de la merde. Attaque contenue. On va faire des arts martiaux. Hein. Mais attends, c'est contenu aussi. Hop là. Non, mais j'ai pas de machin, là. C'est pas efficace. Faut que je fasse des esquives, mais ces boules de... ces feux là, ça esquive pas. Donc faut que j'esquive ces coups de griffe. Non mais attaque-moi. Non mais putain, j'ai fait une esquive, ça servira à rien. Et là mais je l'ai esquivé normalement. Et ça considère pas comme étant une esquive. Putain, cette caméra elle me casse les couilles. Il va falloir que je règle un peu ça. Hein. Ah là ça l'a paralysé. J'ai des esquives là, arrêtez. Pourquoi je gagne pas ces merdes là? Ouais, crache du feu, c'est bien. Moi je tape dans le cul. Mais putain, ma manette de merde, je vais la débrancher. Parce qu'elle m'enquiquine. Arrête. Je peux pas mettre pause en plus. C'est ultra difficile. Attendez. J'essaie de prendre ma manette avec mes pieds tout en jouant. Ouais, non, mais c'est fameux hein, ce qui se passe là actuellement. On ne s'en rend pas forcément compte, mais je suis en train de crever. Donc, je ne peux pas utiliser mes plantes, je sais pas pourquoi. Donc, on va utiliser la gelée de pomme. Ok. Va falloir courir. Nos losanges sont en train de se remplir. Mais c'est pas ça, tout. Bordel de merde. Ok. Je suis concentré. Oh, mais si je fais que ça, c'est un peu nul. Je vais rester en garde. Voilà. Charger un peu. Est-ce que je chargerai pas à fond? Non, mais c'est pas très efficace. On va tenter le gauche. Oh, j'ai eu de la chance. Le gauche a été efficace. On a récupéré un losange, je sais pas pourquoi. C'est vraiment pas pourquoi. Allez, petite esquive. Là on est pas mal. Je vais en garder un peu. L'esquive, voilà. On patiente. Ah merde, non, j'ai cru. Oh, ça en fait pop-up. Ah mais c'est en rab. Du coup c'est carrément en rab. Donc là, ça veut dire que... on le lève. Wow. Ah, mais attendez. Parce qu'en fait, ça nous rend juste plus puissant pendant un temps. Ah, je suis mort. Ok, pas du tout. Donc, j'ai rien compris ce qui s'est passé à la fin, par contre. Réessayons. Alors, par contre... putain de manette de merde. Oui, je sais. Je suis... un fifi tocard parce que l'épisode est beaucoup trop long. Bon, échec. Je coupe là. C'était Gaina 42 et j'ai échoué. Donc, on se dit à la prochaine et on retente.